Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation. Je vais vous parler du Vili. Le Vili, c'est un yogourt mésophile traditionnel. Mésophile, ça veut dire que ça fermente à température pièce, contrairement aux yogourts qui ont besoin d'une yaourtière, d'être chauffés. Ce yogourt-là, il fermente directement sur votre comptoir. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre une petite capsule, vous la mettez dans votre lait, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez, mais vous pouvez la mettre à l'intérieur au complet, c'est une capsule végétale. Et au bout de 24 heures, votre lait ressemblera à ça, à du yogourt. Et regardez bien, ce yogourt, il est fantastique. En passant, il est traditionnel dans le sens que ça fait des milliers d'années qu'il se consomme sur Terre et il est originaire Norvège, Finlande, Suède, ces pays-là. Il a la particularité d'être très... Il se tient vraiment super bien et il est vraiment... Il est vraiment très très doux au goût. Vous voyez la texture, c'est vraiment capoté. Et des fois, là ça ne le fait pas sur le coup, mais des fois la cuillère, elle ressort complètement propre. Vous voyez, là, elle a envie de ressortir. Il a une texture vraiment très très ferme. Au niveau de la saveur, c'est très doux. Le goût est vraiment fabuleux. Et mélanger des petits fruits ou du sirop d'érable ou n'importe quel... ajout, si vous voulez, du sel, du poivre, si vous préférez ça, salé, sucré, pas de problème. Ou nature, tout simplement, c'est vraiment écœurant. Donc, le Vili, vraiment, n'importe qui est capable de le faire. Comme je vous disais, vous prenez la capsule, vous mettez dans du lait, le lendemain, vous avez du Vili. Et vous pouvez prendre pour le reproduire une cuillerée à soupe que vous remettez dans le lait et 24 heures plus tard, vous avez un nouveau du Vili. Et à nouveau du Vili. Donc c'est quasiment à l'infini parce qu'à un moment donné, ça va s'épuiser. Mais vraiment, super simple. Amusez-vous bien. Bonne fermentation et bon Vili.